Comment on débute dans une carrière de flûtiste? Moi, j'ai commencé vraiment à voyager en dehors de la France en 48, 47, 48, par des petits concerts, petites tournées en Allemagne, je me souviens, dans les pays occupés par la France à ce moment-là. Je ne pouvais pas faire. Donc, c'était un circuit bien délimité à la fois, Baden-Baden, beaucoup de villes. Quoi. Et puis je suis allé au Maroc, en Algérie, en Angleterre, petit à petit, en Italie, petit à petit, jusqu'au moment où j'ai fait ma première tournée aux États-Unis en 1957. C'était la première, c'est vraiment, ça a été la première fois que j'ai senti que je commençais vraiment à faire une carrière internationale. Parce que si vous n'allez pas aux États-Unis, vous ne pouvez pas faire. Ça vous manque toujours. Je suis allé au Japon après. Mais les États-Unis, c'est très important. J'estime, c'est très important. Encore actuellement, malgré l'essor de l'industrie discographique en Europe, c'est absolument indispensable. Ah oui, moi je passe à peu près 3-4 mois par an aux États-Unis. 4 mois par an aux États-Unis. C'est important étant donné la dimension du pays, l'intérêt aussi qu'a le public pour la musique. Je crois que c'est quand même une. C'est là que beaucoup de choses se passent aux États-Unis. Autant de flûtistes aux États-Unis qu'en Europe. Il y en a davantage. Parce que le pays est plus grand. Ceci dit, il y a. Les tournées se sont agrandies par rapport à ce qu'elles étaient avant. L'imitation est beaucoup moins grande qu'avant. On tourne à peu près partout. Dernièrement, enfin, il y a 2 ans, je suis allé en Chine. Bon, on n'allait pas en Chine. Je parle de la Chine populaire. Je crois que. C'était le dernier pays qui me manquait à mon palmarès. J'y suis allé et je me suis aperçu avec stupeur qu'on peut remplir des salles tout de suite aussi. Vous avez répondu même à ma question. Est-ce qu'il y a un public pour le... Il y avait un public apparemment, puisque j'ai donné 5 concerts qui étaient absolument bourrés. Vous avez donné un concert avec un orchestre? Non, je faisais que des récitals. Parce que je ne voulais pas rester trop longtemps. On est parti 12 jours avec ma femme. Et j'ai donné 2 masterclass où j'ai entendu... À Shanghai, 2 jeunes flûtistes et à Pékin, 2 jeunes flûtistes extraordinaires. Alors, avec une merveilleuse école. Une merveilleuse école, c'est-à-dire une bonne école, que je dirais pas française, une bonne école internationale. Et de quelle tradition? D'où vient cette tradition dans ce pays? Les disques ou les bandes magnétiques qu'ils ont, les cassettes. Parce que les professeurs jouaient avec une ancienne école. Ils ont joué aussi un peu pour moi, et joué avec une ancienne école. Vous savez, c'est difficile de... Vous savez très bien de quoi je veux parler, mais si j'en parle en général, un public non averti spécialement pour la flûte, c'est ce qu'on appelle l'ancienne école, avec un vibrato seulement de la gorge, et puis des da-da-da-da-da, et comme ça. Les professeurs jouaient comme ça, avec une bonne technique, mais les élèves plus du tout. Dû sans doute au disque, au moyen de communication. Au disque et à l'école, ce que j'appelle l'école internationale, la bonne école internationale. Vous avez joué, je suppose. Vous retrouvez à Londres, comme à New York, comme à Tokyo, à Bruxelles, à Rome, bon, la bonne école. Vous en avez profité quand même pour aller visiter la Grande Muraille. Ah, j'ai tout vu. J'ai fait même un joli. Pas un solo de flûte, non? Non, j'ai joué un solo de flûte chinois. D'un professeur du conservatoire de Shanghai, qui était très joli, qui m'a apporté au dernier moment, avant un concert, alors il y avait des traducteurs, des gens qui traduisaient, là, alors j'ai dit, ça a l'air très, très charmant, alors on dit, oui, on serait content que vous jouiez ça, je dis, oui, je jouerai ça un jour, on dit, vous ne pourriez pas jouer ça en bis aujourd'hui? Je dis, mais aujourd'hui, ce n'était pas très bien écrit, alors j'ai dit, laissez-moi un peu de temps, alors, pendant l'entraque, j'ai travaillé, et je l'ai joué avec instinct, et ça n'a pas trop mal marché. Les gens ont cru que j'avais travaillé depuis très longtemps. Alors, ça se passait à Pékin. Quand je suis arrivé à Shanghai, il a fallu que je joue devant le compositeur. Alors, ça avait déjà traversé toute la Chine. Alors, on m'attendait dans le morceau, qui était charmant d'ailleurs. Moderne, mais pas trop. Enfin,
vous savez, pas du tout comme la musique que j'ai entendue là-bas à un festival où on se croyait dans une musique pour film américain de 1930 à peu près, vous savez. C'était un très hollywoodien d'allure. Mais cette musique pour Futsal était très, très, très charmante. Vous venez de nous parler de la Chine, vous nous parlez des États-Unis. Tout à l'heure, vous avez effleuré le Japon. Vous êtes partout, vous voyagez beaucoup. Deux questions que tout le monde se pose. La vie d'un soliste, finalement, qui donne beaucoup de récitals, c'est aussi une vie un peu en solitaire, d'une part. Et d'autre part, est-ce que c'est compatible avec une vie familiale, une vie sociale ? C'est quand même un choix que vous avez fait dans la vie. Est-ce que ce choix n'a pas parfois des implications coûteuses ? Beaucoup d'inconvénients, ça je vous l'accorde. Beaucoup de joie aussi. Je crois, il ne faut pas s'imaginer que je sois toujours seul, parce que ma femme m'accompagne souvent. Et à force de voyager, vous avez toujours des amis un peu partout, et si bien vous n'éprouvez pas la solitude. Et en général aussi, le fait qu'on est un instrumentiste qui a besoin d'un partenaire, c'est-à-dire au moins d'un pianiste, on ne voyage pas seul comme un pianiste. Qui lui se trouve vraiment seul. Lui se trouve tout seul. Ça, c'est peut-être un cas un peu différent. Bon, la vie de famille, j'essaie de l'avoir au maximum. Les vacances, j'essaie d'avoir... j'ai trois petits-enfants, vous savez, j'ai un fils qui n'est pas encore marié, mais j'ai une fille qui est mariée, qui a trois enfants. Alors j'essaie d'avoir une vie de famille le plus souvent possible, soit en vacances, soit ici. On a la chance, avec ma femme, d'avoir ma fille et son mari qui habitent dans le même immeuble, quatre étages plus bas. Mon fils habite pas très loin, ma mère habite à 30 mètres. Donc, vous voyez, on est déjà assez rapprochés. Et on en profite au maximum pour faire des repas ensemble. En fait, j'essaie de sauver le plus possible ma vie. Familiale, vie sociale, c'est plus facile à sauver. Quand même, ça, je dis quelquefois un peu trop, vie sociale, même en dehors de Paris. Mais la vie familiale, j'essaie de la résoudre le mieux possible, et je crois que j'y arrive quand même. Mais quand on s'appelle Jean-Pierre Rampal, et quand on est un flûtiste doué de sa génération, est-ce qu'on choisit la carrière qu'on fait, ou bien est-ce que cette carrière, c'est elle qui vous a amené? Je n'ai pas choisi, et ça vient petit à petit. Bon, si vous avez du succès, la première tournée que vous faites, on vous redemande pour une autre tournée. Vous faites un premier disque, il marche bien, on vous en demande d'autres, et ainsi de suite. Ça fait une boule de neige. Je pense qu'il faut... Et c'est toujours ce qui est très ennuyeux quand on vous demande des conseils, quand un jeune soliste vous demande ce qu'il faut faire pour réussir. Alors, bon, vous avez à répondre... Il faut faire des disques. C'est très gentil de dire faire des disques, mais enregistrer des disques, qui va vous enregistrer si vous n'êtes pas du tout connu? C'est un cercle vicieux. Mais est-ce que c'était pas plus facile d'enregistrer quand vous l'avez fait, votre premier disque, dans les années 45-50 que maintenant? J'ai enregistré mon premier disque en 46. C'était pas encore en micro-sillon, c'était en 78 tours. Ce n'était pas si facile que ça. Il y avait très peu de futistes qui enregistraient. Il y a relativement beaucoup plus de facilité parce qu'il y avait peu de marques. J'ai joué une fois un concert public de la radio avec le concerto en sol de Mozart en 1946. Et le directeur de la boîte à musique à l'époque, BAM,
Monsieur Lévy Alvarez est venu au concert. Et après le concert, il est venu me voir. Il m'a dit, je me présente, je suis le directeur de la boîte à musique. Je connaissais les disques de la boîte à musique, bien qu'à cette époque, c'était un tout petit catalogue. Mm-hmm. Il m'a dit, j'aimerais bien enregistrer le quatuor en ré majeur de Mozart avec vous. C'était une aubaine, j'étais ravi. Il me dit, avec qui voulez-vous le faire? Moi, j'ai dit tout naturellement à l'époque, le trio Pasquier, qui était très célèbre. Il m'a dit, téléphonez-leur de ma part, s'ils acceptent, nous faisons ça. J'ai téléphoné au trio Pasquier, qui ne me connaissait pas vaguement de nom, et qui ont accepté tout de suite. Voilà. C'est ce que j'appelle la chance. Il faut de la chance pour faire une carrière. Il faut de la chance, on parle de disques, mais il faut aussi des rencontres, j'imagine. Il faut des rencontres, il faut de la chance. Quelquefois, on essaie de la provoquer, la chance. Je n'y crois pas beaucoup, moi, au tirer les sonnettes. Moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Mais j'ai eu peut-être de la chance, justement, de ne pas être obligé à cela. Ça a marché du premier coup. Ce disque a eu du succès. Il m'a redemandé de refaire un autre disque, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis après, c'est une autre marque qui m'a demandé. Et bien sûr que ça fait boule de neige. Si vous avez des disques qui passent à la radio, on vous connaît davantage, on vous engage dans diverses sociétés musicales, et ensuite on vous réengage si vous avez du succès. Alors, ce que je réponds toujours aux jeunes solistes, je leur dis, essayez de faire des disques. On ne peut pas forcer les gens à faire des disques, mais il faut quand même, quand vous faites un disque, que ce soit avoir la chance de plaire. Et puis, il faut du talent, hein. Mais vous... Il faut du talent, parce que ça existe encore, pas seulement chez les flûtistes, mais regardez, il y a tout de même des gens, depuis pas mal d'années, qui ont fait leur carrière en tant que flûtiste. Je ne parle pas de valeurs sûres comme Aurel Nicolet, qui est à peu près mon correspondant au point de vue âge, enfin, c'est à peu près mon contemporain à quelques années près, ni même de Jimmy Galway, qui lui, bien qu'étant plus jeune, a démarré très tôt et il y a peu de temps, avec beaucoup de rapidité. Mais il faut la personnalité pour ça, ça ne suffit pas de... Mais je parle d'autres jeunes flûtistes qui commencent à monter et qui ont monté grâce au disque, il faut bien le dire. Mais vous parlez justement de jeunes flûtistes qui ont monté, mais est-ce que c'est pas difficile pour un jeune flûtiste qui démarre dans la carrière d'avoir la carrière quand même finalement un peu bouchée, dit-on, c'est par des c'est personnalités telles que la vôtre, vous avez écumé, dit-on, le marché pendant Je ne pense pas. Moi je ne pense pas que, par exemple, admettons que je disparaisse demain, je ne pense pas qu'il y aura subitement quelqu'un qui va sortir rapidement parce que j'ai c'est disparu. C'est plus le même phénomène, d'après vous. Parce que j'ai disparu. Je ne pense pas. On peut très bien, une carrière peut très bien commencer brutalement dans un mois et que nous soyons tous encore en train de jouer. Je parle de Galway, je parle de Nicolet, je parle de Boz, de Marion, de tous ces gens-là. Je ne pense pas que ça puisse empêcher ces gens-là de jouer. Je n'y crois pas. Il y a de la place pour tout le monde. Vous parlez de disques, vous parlez de rencontres aussi. Quelles ont été les rencontres qui ont un peu marqué votre carrière? J'ai eu beaucoup de rencontres dans ma vie qui m'ont beaucoup influencé, qui m'ont beaucoup inspiré. Pas toujours des flûtistes, d'ailleurs. Bah, les flûtistes, j'en ai parlé au début. Des gens qui indéniablement m'ont inspiré, bien sûr. Mais d'autres instrumentistes. Quand j'étais à Paris au début, je dois dire que Pierre Lowe m'a beaucoup inspiré. Pierre Lowe, l'oboïste, il a fait partie, comme moi, nous avons fondé en 1951, vous avez fondé. Nous avons fondé ensemble le Quintet avant français. Plus tard, avec lui, l'Ensemble baroque de Paris, avec Véron Lacroix, qui était un partenaire depuis toujours. Ma rencontre avec Isaac Stern a été très, très bénéfique pour moi. Il m'a appris beaucoup de choses, par sa manière de jouer, par son humanité à aborder la musique. C'était très important. C'était une très, très, très grande influence sur moi, Isaac. Et puis alors, des grands personnages, comme Rostropovitch. Rubinstein. Bon, j'en cite au hasard, Rubinstein, tous les gens que j'ai bien connus, Maurice André, tous ces gens-là. Et bien sûr, j'en oublierai. J'ai eu énormément de gens dans ma vie qui m'ont beaucoup inspiré, qui continuent à m'inspirer. Sans arrêt, j'ai la chance de rencontrer des gens ou plus jeunes ou plus âgés que moi qui m'inspirent.
Dès que je peux faire de la musique de chambre, j'en fais. Et j'ai eu la chance d'en faire avec des gens prestigieux. Des gens moins connus, mais tout aussi prestigieux. Et pour moi, au point de vue musical. Et vous réussissez à cumuler des agendas compliqués. Vous avez raconté tout à l'heure un peu les problèmes d'agenda avec Leonard Bernstein. Vous pouvez nous le raconter, je trouve ça une histoire oui, extraordinaire. Oui, Leonard Bernstein est une force de la nature. Alors, je dois dire qu'on se demande même s'il lui arrive quelquefois de prendre du temps pour dormir, parce qu'après un concert, après une soirée, vers 3-4 heures du matin, il commence vraiment à s'amuser. Alors, je me souviens d'une année, il y a 2 ans, j'étais avec ma femme en Israël, et pour la première édition d'une de ses œuvres que j'ai créée. Une œuvre de Bernstein. De Bernstein, Halil, pour Futé Orchestre. Et je ne sais pas, on le quittait vers 3-4 heures du matin, parce qu'on n'en pouvait plus, parce qu'il fallait recommencer le lendemain. Le lendemain matin, on avait des enregistrements, des répétitions, et lui, il était toujours déçu. Il dit, mais comment, mais tu pars déjà, tu vois? Et il disait à ma femme, mais essaie de retenir Jean-Pierre, on va s'amuser, mais on va chez des amis maintenant. Et je sais, après, j'ai su que, bon, après le souper, ils sont allés prendre des bains, parce que des amis avaient un bateau, alors c'était la bonne heure le matin, vers 6 heures du matin, d'aller prendre un bain. C'est extraordinaire, le lendemain matin, il était au travail. C'est ça, répétition à 9h ou ouais, 10h ouais, il était au travail. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi force de travail aussi tenace que lui. Quelques grands moments musicaux dans votre carrière d'association qui vous ont sans doute marqué. Vous savez, j'ai eu la chance de jouer avec très grands chefs. J'en oublierai fatalement, mais j'ai commencé, je crois que le premier grand chef avec qui j'ai joué, j'étais encore assez jeune, c'était Kubelik, j'ai joué avec Eugène Yocum, avec Boulez, avec Giolini, avec Meta, avec Ozawa, ça a toujours été de très grands moments. Hein. Mais vos débuts avec orchestre dans les années... Après la guerre, 45-50, est-ce qu'il n'y avait pas un certain ostracisme des chefs d'orchestre pour la flûte qui n'avait pas encore quand même pignon sur rue comme maintenant? Bon, il n'y avait pas d'ostracisme, c'était simplement qu'il était assez difficile pour un jeune flûtiste, de jouer avec orchestre, parce que quelquefois, le soliste de l'orchestre faisait grise mine, enfin, ça ne leur plaisait pas beaucoup. Ça existe encore un peu, beaucoup moins. Parce que ce qui n'est jamais arrivé, je ne parle pas du piano, le piano bien sûr, il n'y a pas de pianiste dans l'orchestre ou qu'accessoirement, ça n'est jamais arrivé pour les cornes, vous voyez, pour les violonistes, pour les violoncellistes, quelquefois pour le violoncelliste, c'était un peu difficile. Mais pour les violonistes, ça n'a jamais été question. C'est pas une question de niveau Non, je ne pense pas. Et pour les flûtistes, ça a toujours été un peu ce problème-là, pour les instrumentistes avant. Beaucoup de mal à s'imposer, à imposer l'idée au comité de l'orchestre, qu'après tout, bon, le flûtiste solo de l'orchestre peut être merveilleux, mais s'il ne fait pas une énorme carrière comme soliste, donc il ne va pas attirer spécialement le public. Or, pourquoi est-ce qu'on éviterait d'inviter quelqu'un qui attire le public? Je ne parle pas de moi, mais par exemple de Galway, de ces gens-là, eh bien, s'il fait une grande salle, je ne vois pas pourquoi, le flûtiste de l'orchestre, il verrait ombrage. Est-ce que ce n'est pas aussi... C'est quand même important, tout de même. Absolument. Il faut d'abord, pour varier le répertoire aussi un peu, on ne peut pas jouer que des concertos de violon. Voilà, nous allons parler du répertoire, mais il y a quand même un répertoire qui s'est étendu depuis quelques années. Il s'est étendu. Il s'est étendu surtout... dans le domaine de la musique extra-contemporaine, mais aussi dans le domaine de la musique ancienne, parce qu'on a redécouvert pas mal de choses qui ont fait que le répertoire est beaucoup plus riche en grands noms qu'avant, c'est vrai. Malheureusement, on n'a pas pu retrouver le concerto de Brahms, que Brahms n'a jamais écrit, ni le concerto de Tchaïkovski, que Tchaïkovski a commencé, mais qui est à l'état d'esquisse. Mais on a eu d'autres apports romantiques un peu moins importants, des gens comme Spohr, le concerto de Khatchatourian, qui a eu la bonne idée de me demander de transcrire, donc qui fait que c'est quand même une chose qui est devenue presque authentique. Et puis alors, bon, les concertos classiques. Et maintenant, les gens aiment ça. Et on est capable de faire une salle aussi importante que si on jouait du violon. Et c'est ce qui fait que
actuellement, on peut faire une carrière quand même de 3 ou 4 mois de tournée par an aux États-Unis avec les plus grands orchestres. Et je ne pense pas qu'à moi, je pense que les jeunes flûtistes et les gens qui viennent juste après moi vont le faire aussi. Pas d'école. Alors, quelle est la bonne manière de jouer de la flûte? Quels sont les grands critères? Pour moi, le grand critère pour bien jouer de la flûte, c'est d'avoir une belle sonorité. Bon, ça, je crois que tout le monde sera d'accord avec moi pour dire que vraiment, pour un instrumentiste comme pour un chanteur, il faut avoir une belle sonorité. Bon, avoir une belle sonorité et le plus possible près de la nature, c'est-à-dire avec un vibrato qui ne soit pas trop forcé, qui soit naturel, comme lorsqu'on parle. Et puis, bien sûr, le plus technique possible, parce que si on veut avoir, si on est musicien, si on veut exprimer ce qu'on a dans le cœur, bah, et on ne peut l'exprimer que si on échappe aux petites taquineries de la technique. Pour vous, la technique, c'est un succès d'année. D'abord, la sonorité, la technique. Ah, mais elle... non, mais la technique fait partie aussi. La sonorité fait partie de la technique. Il faut avoir la technique de la sonorité. Bon, la technique, c'est pas seulement les doigts. Bien sûr, si vous n'avez qu'un beau son et vous n'avez pas de doigts, je pense quand même votre prestation sera très limitée. C'est normal. Celui qui n'a que des doigts et qui a une vilaine sonorité, je crois que ça sera très difficile pour lui d'émouvoir le public.